nostalgique de la vie passée. Et c'est... Israel, 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 Israel
On est pas bien dans la main. Thank you.
Alors les filles, imaginez que vous êtes dans une taverne médiévale, on est en plein 11e siècle, époque latine, et on va dire que le champ de vos amours n'a pas été labouré depuis longtemps. Il y a dans cette taverne, vous êtes là, j'arrive, et il y a un type qui est d'une beauté insensée. Une sorte de mélange entre Jason Momoa et Sim. Ah, c'est pour le réaliser. Donc vous êtes immédiatement attiré par cet homme. On dirait qu'il porte du parfum vaillant, c'est le parfum hormones sur Internet. Alors, précisément, ça va se passer comme ça. Est-ce qu'on m'entend? Il y a quand même une sorte de timidité qui s'installe en vous, là, forcément, on n'est pas des. On n'est pas des traînés. Non, mais. C'est timidement d'abord. Faut lever le talon, hein, c'est pas. Non, je vous remonte. Voilà, mesdames. C'est à vous. J'obtiens toujours ce que je veux. C'est juste une question de temps. Voilà. Alors, pour vous donner un petit tempo, ça me laisse là, non? Ah, j'ai plus de. Non. Let's get started. I'm not in now. Merci à vous deux, c'est super sympa. Mais je sais, on me l'avait dit hein, dans cette région, les gens qui étaient un diesel ici, il fait du temps que ça démarre, et ça continue, tu vois, c'est comme ça. Vous êtes prêtes? Deux petits pas à droite. C'est presque bien, tu vois. Quand vous vous approchez de cet homme, il se trouve que l'homme sent. L'hygiène ne fait pas partie de ses habitudes. L'homme sent une odeur un petit peu spéciale qui ressemblerait à celle d'un chat mort qui se serait roulé dans une poubelle de restaurant chinois. Mais, quelque chose comme ça, un petit peu, c'est aromatique. Donc vous vous approchez plus timidement d'abord. Prise de conscience, en fait. Et deux grands mots. Tout à l'heure c'était à droite, donc là c'est l'autre droite. À gauche. Donc ça se danse en branle double, ou alors en andro, ou en antero, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas vous allez danser sinon, c'est pas compliqué. On est un tour. Et les mecs, vous noterez que les femmes, elles en ont un peu plus que nous. Du courage. Allez. Donc ça se passe comme ça. Le morceau s'intitule Le Grand de Bourgogne. Alors dans les vrais concerts, avec un vrai public, les gens là sur ce coup-là, ils dansent vraiment. Je préfère vous le dire parce que je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs. C'est qu'on vous avait dit de ne pas mettre de coussins sur les bancs. Mais si vous faites ce que je vous ai dit, deux petits pas à droite et deux gros pas à gauche,
nécessairement, à un moment, vous allez vous prendre un mur. Donc, ceux qui sont assis, ne vous inquiétez pas, la France a compris que les Français ne faisaient jamais rien. Donc, c'est parfait, je remercie ceux qui sont au milieu. Moi, je ne retirerai pas ce que je viens de dire. Parce que les gens ont l'habitude de ça. Restons là-dessus. Allons-y. Continuons comme ça, à 4. Vous changez de côté quand vous voulez, non ? Voilà, ça se passe comme ça. Mesdames, messieurs, le branle de Bourgogne ! Un morceau qui
nous parle du moment précis où Jeanne d'Arc quitte Orléans pour aller défendre Tours. On se parle de Tours d'Orléans, c'est un morceau que j'aime dédier à mon ami Gonzague Saint-Brie qui est décédé il y a quelques années. Et parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur l'histoire médiévale, que dis-je, Charles VII, Agnès Sorel, tout ça. Voilà, un morceau donc que je refuse de livrer à la politique. Il s'agit là de parler d'histoire. Oh.
timide. Alors on m'a dit qu'ici, dans le coin de Saint-Jean-de-Mont, en tout cas, on m'avait dit que c'était pas des vrais heures, en fait. Alors moi, je vais vous faire chanter la planète. We'll be right back.
On n'est pas bien ici à la Dunkerque. Tiens, en parlant de ville, de mer. De mer. Non, pas encore. Je vais vous chanter une chanson. Vous savez, les gens pensent que je suis parisien, c'est une connerie absolue. Je serai jamais parisien de ma vie. Pour une raison toute simple, c'est que. Et par conséquent, je m'adapte en fait à mes instincts. De toute façon, j'ai pas le ventre assez plat et j'ai pas de chaussures pointues. Donc, de toute façon, ça marche pas. Quoi que les chaussures pointues, on peut en parler. Quoi. Alors, je suis natif de La Rochelle. C'est un écrin d'architecture face à un océan immense où les navires partaient parfois jusqu'au Saint-Laurent, au Canada. Chasser la morue, hein, on dit chasser, on peut pêcher, vous êtes pas grave, je chasse pour moi. Alors, je vous invite à découvrir une histoire absolument abominable, d'une tristesse infinie. Le morceau est un ennui sans nom. Mais vous m'avez demandé une chanson en plus, je crois, c'est ça, donc je vais la faire. Elle s'intitule. Bon, je vais commencer par Cette nuit, le morceau s'intitule Cette nuit. Merci.